Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai baissé le son de la musique. Je m'entendais plus parler, j'adore le métal, mais à un moment donné... On va se calmer. Bon, on se met sur cette scène-là, parce que je vous avoue que je n'ai pas encore... Je crois que j'ai oublié de préparer la scène pour Chimerland. Mais bon, je le lance. On va utiliser cette scène-là. Oula. Ah, je suis désolé, j'ai juste de sortir du kiné, donc j'ai pas trop eu le temps de tout préparer. Volume du son, bah, juste réduire le son général du jeu, si je peux. Tu me laisses faire, s'il te plaît. Ok, on va attendre. Voilà. Merci, on diminue comme ça. 10-15%. On va mettre ce scène là. Ça ira bien pour. Ok, non, on va plutôt faire. Hop. Regardez-moi ça, j'ai une scène vierge directement. Hop. Donc ça peut faire du recording, mais là ça va me servir pour faire. Voilà. Les jeux lancés un peu à l'arrache. Parfait. Très bien. Bon, bah, on se retrouve aujourd'hui pour faire du Chimerland. Où on me dirait si on est bien au niveau du micro, parce que j'ai un peu changé sa position. Hop, on va même pouvoir couper directement le son. Je trouve que le son de jeu est plutôt pas mal. Donc, Chimerland, bah, testons. Testons ce MMO sandbox qui est sur Steam. Que je dise pas de bêtises, tatata. Ah, bibliothèque, non. Hop, c'est ça, ouais, qui est sur Steam, qui est sorti récemment, début juillet. Et puis voilà quoi, amusons-nous dessus, ouais, on voit ce que ça donne, même si les serveurs sont à l'autre bout du monde. J'espère qu'il y aura pas trop de lag. Mais bon, on est là pour tester, hein. On est là pour tester. Hop, rentrons sur le serveur. En tout cas, j'aime bien les dessins de fond. Ils sont super jolis. C'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de plein écran. Parce que vous voyez du coup en plein écran, vous avez pu voir quand j'étais en mode streamage de mon écran. Je suis en mode, on va dire, un espèce de fenêtré bizarre. Ok, donc la création de personnages. Ok, donc du coup, on va dire le côté gauche est côté masculin. Et côté droit, c'est côté, on va dire, féminin. Donc on a quoi? On a un singe en espèce de démon. C'est un insecte. Ok, c'est un insecte. Rhinocéros. Un humain, on va dire, un peu plus nordique. Un peu plus... Ouais, on va dire un peu plus maigrichon, quoi. Ours, un chat, taureau, un loup, des dragons, ok. Un aigle, un requin. Oh, avec la peau bien luisante. Ah, horrible! Attends, il est où le requin? Ah. Ok. Donc, un homme poulpe, un humain, on va dire, un peu plus asiatique, au trait, un homme de Cro-Magnon, et on retourne un petit peu sur le singe néandertal. Après ça, c'est côté femelle. Donc, femelle, on a quoi? Donc, on a toujours des démons femelles, insectes, mais l'un qui était un peu plus, on va dire, scarabée, l'autre, c'est un peu plus guêpe, on va dire. Côté rhinocéros, c'est les hippopotames, donc... C'est faire des hippopotames, c'est des femelles. Humaines, normales, et ok, un peu plus afro. Panda, donc ours et ours d'un côté, panda de l'autre. Ok, tigre et chat. La biquette pour le taureau. Oh, on peut faire des petites taches. renard à la place du loup, ok. Dragon, reste des dragons. Ok, c'est des piaf, hein. Poisson, oh, horrible.
Par contre, les femmes poissons. D'un côté, t'as les requins un peu badass, et de l'autre côté, t'as les femmes poissons. Oh, par contre, les femmes poulpes, elles sont bien. Les femmes méduses. Même si le mode calamar, ça fait un. C'est Jack Sparrow. Le capitaine maudit. Hop. Et on retourne dans les femmes, dans après humaine, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va se créer comme personnage? Elles sont trop mignonnes quand même. Même si j'ai pas l'habitude de faire de personnage féminin. Non, on va faire le petit chat. On va faire un gros chat. C'est quoi, c'est des petits chats, ouais. Non, on va faire le chat badass quand même. Next. Skin. Donc ça c'est l'âge. Color choice. Ok. On va laisser comme c'est, confirmer. Sand. It's nothing real. Huh? Thanks. Well, thanks so much. No. Oh, you're. Ok, c'est. Donc en haut, les 6 premiers c'est hommes et les 6 prochains c'est les femmes. It's nothing real. I see. You're welcome. Thanks so much. On va prendre ça. Cheveux, franchement, on va laisser comme ça parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs bizarres. Non, c'est bien comme ça. Même. Body hair. Ah. Peut-être le derrière que ça change. Oh, il est bien comme ça, pas trop poilu. Franchement, je vais le laisser blanc, hein. J'ai pas trop. Bah non, bah un chat elle a quand même une queue. Oh mince, faut que je le refasse. Faut que je le refasse blanc. Blanc et noir, comme c'était. Voilà. La face. Ouais, tu peux tout modifier. C'est vraiment le typique le jeu asiat. Franchement, je vais laisser comme c'est, s'il est pas trop dégueu comme ça. Body. Non, il était bien en mode comme ça. Oh, tu peux vraiment tout changer. Tesso. Oh. Et on lui fait des pecs, hein. On lui fait des pecs, hein. Ok, ça c'est la montée du nombril. Abdomen. Ouais, c'est ça. Legs. Oh! On lui fait un gros bot? Allez, hop, il a un gros popotin. Il a bien travaillé ses fessiers. Pied, tail. Ouais, il est bien sur la queue comme ça. Make-up. What the fuck? Y a pas des autres faits là en fait. None. Non, pas non plus digérer. Hein? Ouais. Oh. Pas exagéré. Mais il n'y a pas les yeux de félin. C'est marrant, je trouve. Ouais, il y en a qui font mal aux yeux. C'est moi où j'ai l'impression qu'il a un peu. Il a un peu les yeux qui partent en couille.
Ok. J'ai l'impression qu'il y a les yeux qui sont bizarrement mis. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. 10, s'il te plaît, 10. Non, tu vois, j'ai l'impression que c'est peut-être le pelage qui fait ça. Oh, allez, go. Iris. Ouais, tu vois, il n'y a pas... on lui fait... Ouais, non, on fait l'un, c'est bien comme ça. Il est bien comme ça. Pas de make-up, review. Avec son gros popotin. Avec du stuff, ouais. Ouais, ça passe, hein. Ça passe. Allez, safe. Name. Le redoutable nom. Miles, next tape. Allez, c'est parti. Bon, on choisit maintenant les continents. Hot. Ok, birth. J'ai l'impression qu'on peut pas aller sur celui-là. Westmount. Eastmount. Ok, donc c'est pas clic droit, c'est clic gauche. On peut pas cliquer dessus. Bah, s'ils disent que c'est hot, c'est population good, on va aller sur celui-ci, hein. Burst, hein. There's a faction fight each other through the in later stage, you can freely switch between them. Ok. Allez, on va choisir là. Et maintenant, c'est le moment où on choisit du coup son zone, sa zone de spawn. Population good. Prairie, montagne, là c'est plutôt ce désert. Non, ce serait plutôt pas mal là. Hein. On va se faire une base un peu dans, dans tout ce qui est cette plaine. T'es pas trop loin d'un biome, on va dire un peu plus. Terre. Un peu plus. Ouais. Ah mais attends, tu vois les structures que qu'ont fait les autres. Donc tu sais s'il y a de s'il y a des gens quelque part. Oui, je suis en train de regarder par-dessus mes lunettes alors que ça sert à rien. Désolé. Voilà, là on voit une structure. Ouais. Oh, c'est bon, j'ai cru voir un truc là. Tu vois là? Franchement, je vais mettre là. Allez, on est bien. On est un peu renfermé, sinon c'est pas trop ouvert. Là, on est pas mal, hein. Un lac rouge. De toute façon, là je suis en train de voyager entre les différents continents. Ah. Il y a plein de continents en fait à voyager. Ok. Bon à savoir. Franchement, on était pas si mal que ça là ici. Hein. Tu sais quoi? Allez, on va pop ici. Non, confirme, ok. Ah, ok, zone bleue, ok. Très bien.
c'était rouge. Je pensais que c'était rouge parce que c'est le marqueur, mais vu que c'est tout en rouge, on est pas mal sinon là. Un peu au bord de la mer et tout. Avec une belle vue de cascade. Tu sais quoi, allez, on va mettre là. Population good. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, nous apparaissons dans l'espace. On n'avait pas besoin de combinaison en plus, hein. Ok. Donc là, c'est le tuto. On va changer les touches après. Ok. Oh là, on est plutôt pas mal, hein. Ah, il y a déjà une structure, là, là. Une structure aussi. Parfait. Ok, donc déjà, c'est settings. Ok, non, moi c'est settings que je veux faire. Ah, il veut pas me faire settings, il veut directement que je joue. Ok. Bella, oh, you are finally here, traveler. Where I am, this is Shimmerland, the first world born, where the chaos began. Ok. Who are you? I'm the one who will teach you. Ok, c'est épisode, hop, on a même pas eu le temps de lire que j'ai déjà dit. Ok. Before the dawn, take the loot. Thank you. I'm still a little confused. Ok, elle te donne du stuff. Très bien. Crafter, très bien, sauf que moi je veux faire ça. Settings, s'il te plaît. Graphisme médian, est-ce qu'on peut mettre highlights? Contrôle, merci. Forward W. Et W, ça a autre chose, W? F1, FE... On va trouver W. Il n'y a pas de W, là. Non, Z, je suis bête, c'est Z. Monte monture. J'ai comment pour enlever? Voilà. Z, W pour la monture. Ok. Left, Q. Ok, faut que je trouve le Q là. Skill 1. Supprimer. Donc en fait, faut faire ça, faut supprimer. Par contre, c'est très mal fait. Ah, j'ai d'autres Q. Non, j'ai pas d'autre cure. Ah. Oh là 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 là, ça va vite me ticher ça. Ah. Voilà. C'est quoi restart? Ok. On restart, on recommence. Ok, ça c'est tout modifié. Skill 1, A. Skill 2, E, on est ok. Skill 3, R, ok. Ok, tabulation. Z, Mount, non, W. X. Ok, G. F, N, A. Mais G, N, A. R, E, Q. Pivot. Pivot.
Et pas qu'elle touche, hein. Maître. Je sais pas quelle touche mettre qui pivote, build. C'est pour ça que je peux pas mettre du coup. Il a fait un. Air rotate, a switch. Je peux mettre T. Bon, on va faire comme ça, et puis tant pis, on pivotera pas. Et là, techniquement, je pourrais faire forward, left. Oh! Q! Il y a encore un Q quelque part? Et ils utilisent Q partout. Pas pour tourner à droite, ça va être embêtant. Back, right. Non, toujours pas interface, je suis désolé, mais j'aurais dû le faire avant. Mais je pensais que ça allait être plus facile, mais... Oui, où est le Q? Space, Maj, A, E, R, R, Tab, W, X, G, F, E, Space... Et j'ai pas de Q. Et tu sais quoi, on va faire reset par défaut et je vais mettre mon Alt-Maj. C'est bien Alt. C'est pas Alt-Maj pour pouvoir mettre son clavier en. Passer son clavier en QWERTY. Maj plus Alt. Bon. Ah, ça fonctionne pas mon Alt plus Maj. Bah, ça va être vite fini en fait hein, le test hein, si je peux pas passer le clavier en QWERTY. En passant par les paramètres de performance linguistique. Je vous avoue, ça va être très compliqué d'être. Ouais, c'est je peux pas jouer. Je peux pas jouer vu que je peux pas mettre le Q. C'est un peu relou quand même. Hein. Le turn left, il veut pas me le changer. Hein. Please select different key. Ouais, mais à un moment donné. Ou sinon, je fais ça. Je me déplace avec ces touches-là. Parfait. Ça va faire bizarre, mais let's go. Hein. Ok, bon. Je me déplace du coup avec mes flèches de la souris. Oh, t'as une structure là. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'elle me dit de faire? H. Open the hint aussi, hein, tout ça. Ok. Use the station. Ok, donc ça doit être là-dedans. B. Use. Ok, très bien, on a ça. Équipe. Ok, très bien, et ça, c'est... concernant mystérieux, asset, contain. Ok, très bien. Parfait. Expérience, nanana, équipe, c'est fait. Weapon details. Promise. Ok. Ça bug un petit peu.
Everything has its own strengths and weaknesses. Keep trying different combinations and you might just become invincible. Ok. Donc là, auto-attaque. Ici, je clique sur Q. C'est l'habilité, ok, très bien. Et je passe à une distance. Oh, et ça va pas être très fluide, mais bon. Je suis là pour tester. Non, on peut voir, ok, je vais passer d'un niveau. Échappe. Guide. Basic function. Settings. Ok. Et tu montres comment on se fait les settings, mais je vois, j'avais déjà trouvé. Et le problème, c'est que... bon, on peut pas changer. Comme ça. Ok. Bella, pas me donner de trucs. Ok, obtain, go. Craft light bolt, ok. Pour crafter... Là j'ai B, j'ai du bois. On va nous dire. Tous use, ok, fuse. Et fuse, c'est lequel, fuse? Ah voilà. Fuse, nickel. Ok, light ball. On va crafter, j'ai du bois. Pour tout crafter. Parfait. Hop, on a crafté nos arcs. Ta. Learn about camp. Promise. Alright. Mystery of the camp. Ok. Craft camp. Parfait, on va crafter le camp. Device, campfire. Ah, il manque du bois. J'ai tout utilisé pour le bois. Mince, hop, je me déplace. On va aller récolter du bois. Si je peux. Comment on fait pour récolter du bois, s'il vous plaît? Par contre, on se déplace vachement moins vite quand on a l'arme. Oh, parfait. Wouah. Ok, mage pour parcourir plus vite. F pour couper du bois, parfait. Question, l'arbre est coupé, est-ce qu'il faut que je peux encore le couper là? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression, donc j'ai encore coupé d'autres bois à côté, parce qu'il m'en faut encore deux autres de plus. Je sais pas si ça repousse. On verra bien. Parfait. Donc là, j'ai tout mon bois qu'il me faut. Donc on va aller dans Fuse. Je crois que c'était Z. V. Voilà, V. Fuse. Device. Campfire. Craft. Ah. On craft les campfire. Très bien. Nickel. Et place le campfire. Ok, très bien. On va se positionner où? Pour faire notre camp. Franchement, je vais mettre par là-bas. Hop, mage pour courir vite. On est pas mal là. Je vois qu'il y a des structures un petit peu partout. B. Hop, place. Nickel. Bon, on va passer en kikine, on va le passer là. Hein. Nickel. Campfire placé. Récompense, on level up. Agit ou note. The beautiful cooking. Très bien, B. Spécial. You. Ok, ça va prendre du coup une récipe. Learn about Mount. Très bien.
Surprise. Ok, ça va monter une petite vidéo sur la monture. Ouais, donc il t'explique que ouais, marcher à pied ça peut être super long, mais bah, tu peux domestiquer plein de montures différentes. Bon, un chat saut. Ah, mais pas dans l'eau. Pas dans l'eau, un chat ça n'aime pas l'eau. Falala. But of course, you'll still have to be strong enough to tame them. Ouais, c'est ça. Donc tu peux avoir du coup ta monture comme pet. Te permet aussi, je crois que si j'ai bien vu les vidéos, ça permet aussi d'avoir une monture qui attaque avec toi. Parfait. Ride the mount V. Pet mount. Ouh. Vas-y, je te monte. Oh, on peut attaquer avec la monture, ça c'est bien ça. Nickel. Hop, on échappe. Là, on a pas autre sourcise. Un gazeur à gradient, V, explore, orientation, ressources, produce, cherche. Et bien, c'est que j'en avais juste à côté. C'était G pour pouvoir monter. On va faire comme ça. On va ramasser ceci. F. Voilà. Et mon cheval, il me suit? Parfait. Le cheval, c'est génial. Parce qu'il faut aller au galop. Use the campfire to cook. Parfait. Ouais, c'est pas... Par contre... La caméra, elle bouge, te suit pas souvent la souris. Hein. Il y a encore des trucs à améliorer. Cook. Puts, input. Input, input. Craft. Input. Input, input, craft. Parfait. J'ai crafté de la bouffe. Eat food, ok. Donc c'est dans la touche qui n'est pas... Il n'y a pas de touche. Très bien. Ça va sûrement être les petites étoiles. Même pas. Enfin, les petites flèches. Pas du tout. Eat food, parfait. Fille de pet. Vas-y, mange, mon petit cheval, mange. Oh, il met mon petit cheval. On va pouvoir le manger après. S'il te plaît. Hop. Fil contrôlable here now. Node. Spirit of. Nanana. Talk to Bella to learn about Spirit Orb. Ok. V. Fuse. Device. Spirit Base. Craft. Parfait. Parfait, j'ai la Spirit Base. Nickel. Place the Spirit Base. Donc, du coup, Spirit Base est dans notre inventaire. All. Ici. Non, pas destroy. Place. Franchement, là, t'es pas mal, hein. La rotation, c'était. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Ok, F1, F2, F3, c'était des trucs pour pouvoir rotationner, mais pas du tout.
pense. J'ai cassé le truc. Et, s'il te plaît. Voilà. On va te positionner là en passant kikiné. S'il te plaît. Voilà, donc j'ai appris du coup à faire des structures de base. Parfait. Spirit Pound 1. C'est toujours pas clic gauche, c'est G pour interagir dans leur jeu. Ah non, G c'est pour F. Ok, donc c'est là où j'apprends des choses. Il faut que j'apprenne quoi ? Donc ça c'est bon. Build. Ok. Hop, build. Très bien. Activate. Donc là j'active la partie build. Franchement, et à part les problèmes de contrôle et de un peu et tout, franchement, le système et tout, il est pas si dégueu que ça. Hein. Le fait que tu dois apprendre tes technologies, nanana et tout. Quoi, t'as build, t'as du craft, le côté un peu arcane, la bouffe. Enfin, ça c'est pas la bouffe, on dirait plutôt les trucs pour les pets. Ça c'est tout ce qui est gadgets, des véhicules, base. Franchement, y a rien à dire. Hein. Et c'est assez complet. Hein. C'est assez complet. Hein. Ok, j'ai même pas eu le temps de dire le dialogue que ça a directement passé. Je pense que là, ça va prendre le domptage. Ah, plutôt le housing. Le bien, c'est qu'ils te montrent des bases, mais elles sont. elles volent un petit peu, quoi. Après, il n'y a rien à dire, c'est joli, hein. Spectacular, and the scenes are breathtaking. Whatever you set your eyes on is sure to be awe-inspiring. Différents bugs de texture. The creation of man can sometimes surpass nature. Ce qui est marrant, c'est qu'il montre ça bug un petit peu quand même. Hein, les vidéos. Ok, très bien. Turn about, place 8 base. Très bien. Donc, ça. Ok. Fondation, les bases en bois. En cuir. En bois. C'est égal, fondation. On va rester sur du bois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, le 8ème, 8, parfait. Et maintenant je peux monter sans sauter. Non, je suis quand même obligé de sauter encore. Très bien, hop, on a posé nos Gunos Sweet Base. Parfait, learn about GamePod. Mm-hmm. Donc ça, c'est le côté, ce que j'ai cru voir, c'est le jeu dans le jeu. Parfait. Lance Spirit. F. Arcane. Donc on apprend l'arcane, activate. Activate, du coup. Donc j'ai appris arcane, et maintenant c'est GamePod. J'apprends du coup comment crafter le GamePod. Activate, ok. Parfait. Place GamePod, voilà. Place. Comment je fais pour rotationner? Ok. Settings. Contrôle. Build. Repair. Innovate. R. T.
C'est R, ok, parfait. B. Tac. Classe. R. Nickel. Franchement. Si je veux poser des murs après. On va le poser là. Pas au milieu, pas. Voilà, nickel. Donc ça, j'ai posé GamePod, nickel. Place tool trial, ok. F. Zoom. Tool trial. Shooting trial plutôt. Ok. Donc du coup, c'est un mini-jeu de shoot. Ils vont t'apprendre à utiliser ton arbalète. Ah, c'est que j'avais pas cliqué dessus. Ok, bah challenge, hein. Les lanternes. Vous, on joue dans le jeu. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est que... S'il te plaît. Voilà. Touch. Instant, là, les lanternes, parfait. Nickel. Fait. Bon, je comprends pas pourquoi j'ai tout ça qui c'était en noir. Je pense qu'il devait montrer un truc en bas, mais exit. Ok, confirme. Nickel. Jeu d'adresse. Franchement, je pense que ce jeu a pas mal de potentiel. Hein. Pas mal de potentiel. Je peux le ranger, mon arme? Nickel. Hop là, tout station, totem pole. Nanana, personne mini totem, nanana. Ok. Du coup, maintenant, j'ai recherché les totems. Guide. Chimera World, totem. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais bien cru comprendre, c'est que les totems te servent à faire spawn, on va dire, des boss. Ok, nanana, et les totems, tu les vois sur la carte. Du coup, ça, c'est les totems, on va dire, de base, et ça, c'est les totems avancés, donc un peu plus puissants. Très bien, parfait. Cherche fort totem. Très bien. Donc, c'est V, explore. Ça, ressources. Ok, challenge totem, parfait. Search. Il y en a une à 50 place. 50 piece. Pace. Pace. Pas passe. C'est quoi? C'est des enjambées passe. J'ai cherché parce que ça me turlupine. Translate. Passe. Rythme. Oh, 50 rythmes. Ok. Il n'y a pas d'autres... Beat, tempo, allure. Ah, c'est des pas. C'est 50 pas. Pace, ouais, c'est ça. J'avais bien traduit au point de départ. Le problème, c'est que je peux pas avancer et sauter en même temps parce que l'espace. Faut que je le fasse avec la paume de ma main. Ou sinon, faut que je joue du coup sans la souris. Ok. Ça, c'est un avant 7, ça. C'est un avant 7, ça. Attends, non, moi, je vais pas faire un avant 7 dessus. Ah, non. Non, c'est bon, c'est un normal. Très bien. H, et faut que je l'active, je présume. Activer deux totems. Alors, on va déjà faire V. Pet. Mount. Non, parce que la monture va m'aider du coup à attaquer. Ok. Oh, c'est des petits rideaux. Ok.
voilà, comme j'avais dit, ta monture permet aussi d'attaquer. Dommage. Oh, il s'est TP. Je peux même pas utiliser ma compétence, quoi. Q. Parfait. Ça, c'est du jeu à deux mains, ça. Et là, je change d'arme, arme à distance. Paf. Nickel. F pour pick-up, pick-up all, boulette. Est-ce que t'attaques quoi, là? Il reste du monde où? Je les vois pas. Ils sont dans la structure? Non, c'est bon. Ah, ils sont dans l'eau. Bon. On va dire au pire que ma monture pick-up all. Les attaques. Oh là là, c'est... faut aller... Bah non, parce que du coup, j'allais dire, il faudrait que j'imite que je mette ma main droite sur... sur les touches de direction et que j'utilise ma main gauche pour le cul, maintenant. Oh là, ça c'est le boss, ça. Vas-y, mon cheval, c'est génial. Mon cheval, c'est génial. Ouh. F. Pick up all. Ouh là. Et la structure est revenue. Très bien, donc c'est un truc qu'on peut faire en boucle. Et si je fais... c'est quoi, c'est V. Pet. Ok, bah tu restes là. Bah attends, je vais te prendre. On ira plus vite. Ne lui donne pas trop de fessées. Sinon c'est toi qui vais en donner des fessées, mon petit chat. Et j'ai l'impression que les arbres ont repoussé. Ok, par contre c'est course automatique. Hein. Très bien. On va te laisser là. Nickel. On revient à la base. Hein, Learn about récolte. Ça, c'était un gazer, c'était récolte. Ah non. C'est pour attaquer. Ok, c'est pour capturer les pets. Ok, un peu comme les Pokémon. Ok, très bien. Très bien. Donc, je joue à Pokémon. Parfait, go. Donc dans B, elle m'a donné du coup équipe. Parfait. Oh, attends. Faire ça. C'est quoi ça? Staff. Type magique. J'ai l'impression que j'ai chopé du stuff. Single row magazine, ok. C'est bien. Équipe. Oh. Équipe. Oh. J'ai un meilleur arc aussi. Ok. Équipe. Très bien. Quoi? Lol. C'est quoi? On va faire de la musique aussi. Ok. On va mettre sur la dernière touche. C'est ça? Ah mais c'est une arme à distance.
non, c'est une arme de heal. Oh, t'es mignon. Très bien. Parfait. Bah, par contre, moi, je peux pas me focus pour me rendre du heal à moi. Ok. Sympa. Sympa, sympa. Donc ça, c'est un nouvel arc. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que tu peux pas... tu peux pas viser. Là, j'ai... Oh oui! Oh oui, je dis oui à cette nouvelle petite hache. très bien. Hop. Craft capture slot shot. Ok, donc du coup, c'est dans V. Non, c'est dans... C'est peut-être sur mon... Dans la table de... Non, ce serait bizarre que ça soit là. Bon, on va voir où est-ce qu'elle me dit que c'est. Capture slot. Ah, c'était bien dans V. Ah, dans Fuse. Ok. Capture slot. En seul, ça devrait suffire. Hein. En plus, ça en prend 50 munitions. Très bien. Use Mustard... Bon. Oui, j'ai mis ça. One can, first damage the pet, still critical check. What's to capture switch to. Ok, très bien. C'est ça. Donc maintenant, faut que je trouve un pet à capturer. Allez, viens, mon petit. Ride. On va se trouver un petit pet. Merci. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Dans quoi? C'est dans V, Explore, All. Oh, ça peut se casser, se récolter ça? Aussi là, ok. Donc en fait, ça montre pas ce que je veux. Animal, minerai. Ressources, production, ok. Non, c'est pas ce que je veux. Bon, maintenant, bah, go chercher un pet ou n'importe quoi capturé. Ah! Oh! Stop! Stop, s'il te plaît. Pourquoi mon pet? Je crois que mon cheval, il a pas envie de s'arrêter. Ok, j'ai. Il avait pas envie de s'arrêter. Oh, celui-là. Niveau 20. Donc là, j'ai fait un clic droit pour que l'avoir en focus. Ok, donc même sans viser, j'ai pas besoin... Très bien. Ah, il est super beau celui-là en plus, hein. Hop, on continue. Et dès qu'il aura le petit logo... Ok, plus en mode action, là. Ok. Donc là, je fais 3. Je me rapproche. Capture! Eh ben, il est où capture là? Pick up. F. Bon, j'ai coupé du bois. Ah non, c'est ça, pick up. Pick up, voilà, parfait! J'ai capturé mon premier pet! Oui! J'avoue, j'en ramasse un peu de bois. Par contre, on peut rien en faire de cette tranche bout de bois. Ok. On va prendre aussi le minerai. Ah, c'est que de la pierre. Dommage. Très bien. Allez, mon petit dada. Oh, il a pris des dégâts. On va lui healer. 5.
Oh, c'est bien ça, pour lui il est. Hop, 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 go, 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 go. On le heal, on retourne du coup après au camp. Oh, c'est quoi ce cheval? Ah, ok, je vois en fait les animaux, c'est un peu comme nous, ils apparaissent en fait en mode de météorite, ok. Parfait. Hop, orange. Et j'ai. Par contre, il va pas s'arrêter quoi. Une fois que j'ai mis en course automatique. Ok, très bien, parfait. On a fait ça. Suivons la quête H. Use Mustang. C'est bon, mort. Claim. Gamepod 1. Ok. Parfait. Donc B. Donc là, du coup, c'est un espèce de nid. Place. De nid. Très bien. Et ben, on va le positionner plutôt. Dans le coin là. Là on est bien. Hop, F incubate. C'est ça, je dois incubate le l'œuf. Ouais, incubate the eggs. F. Lotus incubate. Ah mince. Bah, faisons l'incubation. Donc on est bien, on est dans la température, 20 degrés corporels, le fossile. Moi j'aurais bien aimé pouvoir bouger en fait. Ah voilà. Ok. Alors, vous voyez à quoi ressemble la chat qui fait de l'incubation. Je sais pas ce qui s'agrippe et il s'agrippe. Hein. Allez, 50%. C'est plutôt pas mal. Surtout que je lui ai fait un gros popotin, il aurait pu au moins s'asseoir dessus, quoi. Ah là 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 là. Ah, par contre, on voit que la queue, c'est même pas le même blanc que le reste du pelage. Hop là, on le cache, ni vu ni connu. J'ai peur de toucher à d'autres touches parce que je vois qu'il y a plein de. J'ai plein de boutons à droite et tout à regarder. Et j'ai pas envie de stopper l'incubation. C'est un peu dommage, c'est que je pensais que l'incubation on aurait pu se faire, tu sais, en automatique. Tu te poses l'œuf et c'est bon quoi. Peut-être que plus tard, ça je pourrais. Ok. Completed, j'ai un cube. Hop. Nickel, on a pris des niveaux. Là, on a about 0. Ok. The temporary pet. Catch. What? Grosso modo, tu captures des pets éphémères que t'invoques et ton pet actuel le dévore pour se transformer. Pour évoluer. Très bien. Très bien. Donc c'est bien ce que j'avais compris, c'est que tu fais dévorer un pet.
Feed the pet. Oh, I. Logging niveau 3. Obtain. Non, quand on a... When shopping a bamboo, oh, on va faire ça, plus de points, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc summon the pet, donc du coup il est là. Oh, je peux poser un sapin, ok. Non, dans hall. C'est ça mon... Oh, c'est ça. Déployant. Fais-vous. Ah oui, là ils sont en train de se combattre. Ah, j'aurais bien aimé le garder ce pet là en fait. Attends, j'ai pas compris. Mon pet est mort. J'ai pas compris. Ok, attends. Pet. J'ai comment pour le... Voilà, donc ça c'est mon pet. Je peux ride ce mini Ah ouais, je kiffe. Je kiffe plus. Ok, j'ai... Attends. H. Mort. Feed the pet. Pet. Ah, ok, confirme. Ok, donc j'ai feed the pet. Très bien. Pet challenge. Attends, du coup, pet challenge. Par contre, j'aurais bien aimé le heal. Parce que là tu vas pas y arriver sinon. Je vais pas te donner plus de bouffe là en fait. Ça. Vas-y, toi. Va être loin. Au pire, je le ferai pendant le combat. Ok. C'est pas ça qu'il faut que je le fasse. Ok, il a succès full manger, parfait. Nickel. Ok. C'est pas du tout ça qu'il fallait, il faut que je joue au challenge du pet. Donc du coup, c'était dans le jeu, je pense. F activate. C'était tout à fait ça. Au moins, j'aurais déjà fait manger une fois. Challenge.
coup, je présume qu'il faut que je l'invoque, c'est ça? Allez, fais voir, voilà. La question c'est, est-ce que moi je peux l'aider? Non, je peux pas l'aider. C'est vraiment du pet contre pet, quoi. Enfin, on fait des dégâts ou c'est bon? Ça sert à rien. Ça c'est des dégâts, mais. Je pense que le mien c'est celui de droite, du coup, celui qui a du PV. Ah, il n'y a plus qu'une attaque, c'est bon. Je te dévore. Parfait. Exit. Yes. Très bien. Ok, on a fait le challenge. Gazer log, parfait. Ah, c'est là. Ok. Il y a mon ami, allons couper du bois. Je suis sur Bambi. Oui. Ah mon dieu. Parfait. Donc ça va, c'est juste un bois qui demande un place wall. Parfait. Continuons un peu le housing. Il y a aussi le jeu que j'avais vu hein, où tu peux capturer des Pokémon et les faire travailler pour toi. Ça aussi, ça fait fun. Faire d'automisation avec tes Pokémon, mais avec des bestioles. Je sais comment pour rappeler ma bestiole. Ah là, c'est sur, je crois que je récolte une bête, c'est très bien. Place wall. Donc du coup, wall, on a dit que c'était égal. Ok, non. Égal. Plantation. Wall. En wood, hein. Pas sans kikiner, hein. R. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, parfait, nickel, hop, place window wall, ah. On va pas pu le dire. Change pivot Q. Rotate campfire sa farming. Parfait. Nickel. Build. Bien. Je sais pas comment utiliser la touche comme ça. Opening. Un passant kikiné. Non. Hop.
dis qu'au pire, on pourra grandir. Contrôle E. Je peux pas reprendre. Si j'ai posé trop proche du de ça. Donc H. Parce que j'ai positionné. Égal 1, opening, ah, ok, très bien, c'était donc ça, les Windows. Ouh. Ok, activate. Each star multiple node activated node cost 1. Ok. Activate. Résilience, donc j'ai pris de la résistance, ok. Ok, très bien. Build de home, introduction à Upgrade. Ah, ok. Échappe, home, upgrade. Ok, très bien. Mailbox. F. Non, build, mailbox, ok. J'apprends cette technologie. Activate, parfait. Bon, je présume qu'il va me dire de la placer. Ça commence à être un vrai bordel dans mon item. Home, place. Passer de suite. Il y a de l'orage. On va faire de la construction, les amis. Parce que moi, je suis là, c'est pour ça aussi. Fondation. Oh. Oh. R. Ça. Ah oui, je dis oui. Je dis oui. Égal. Porte en bois égale une porte en bois maintenant aussi. Fait. Ça c'est pas mal. Le seul truc, c'est que je veux bien voir comment on fait pour déplacer un item que tu poses. Mashup. Échappe, y a pas home. Ah, en
fait, plus t'augmentes et plus tu peux faire des grosses structures. Ok, très bien. Event, nanana, right kit, voilà. Vas-y, qui font de la fonction. Homing building. Storage. Ok. On peut fabriquer des coffres. Donc tu peux inviter des amis. Tu peux faire des... use the farming system player can cultivate all sorts of crops, herbs, and three permanent resources they produce. Ok. Home management. On est d'accord. Home technology, home claim. Non, si je joue dans Home et je joue dans Claim. Ok. Mais le problème, c'est que ça me dit pas comment je fais pour. Ah mince, je me suis encore développé. J'ai encore déposé. Hop, c'est le mailbox. Yes. On va la positionner à l'extérieur, hein. Place R. Ah, faut que ça va positionner sur une fondation. Oh, ils abusent. Hein. Non, pavillon. Oh. Fondation. S'il te plaît. C'est le truc, je sais pas comment faire pour. Pour remettre la souris. Non. Voilà, oh, au pire, on clique sur des boutons. On va faire une petite fondation en pierre. Juste à côté. Ouais. Pas devant la fenêtre, juste là. Voilà. Et c'est là en fait on va positionner. Opening, il n'y a pas juste des piliers. Oh, porte. Oh, c'est marrant ça. C'est marrant, c'est pas ça. J'aurais bien fait en mode. Oh. Oh, bah si, attends, base. Je peux faire une colonne. Ça. Ah, mais par contre, ça te la positionne directement au milieu. Si je fais ça, opening, ça. Ouais. Parce que. En fait, là, je vais mettre mon mailbox. On quitte ça. Là. En fait, ça va être le petit. R. Bon, je vois pas dans quel sens ça se met. Bon, moi j'ai positionné mes box. Hein. Setting view, ok, très bien. Learn about dressing table. Attends, j'ai pas fini de faire mon extérieur, hein, ma petite. Hein. Vous êtes trop.
Tu vois ce que je veux dire? J'aurais bien aimé faire en mettre un pilier ou deux sur le côté et le rabattre. Ouais. Sinon, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être faire ça plutôt. On se fait ça. Non. On se fait des petits. C'est celui-là. Voilà, en boudin de. Tout simplement. Ce que je veux dire, ça fait vraiment la petite maison. Il me reste encore de quoi qu'on soit ou pas? On va couper du bois. Ah ouais, bah tant que je suis parti, je vais ramasser plein de bois. On va finir cette maison. Au moins, elle sera faite. Je me dis comme ça à la fin de ce stream, même si je pense que je ne remettrai pas les pieds sur ce jeu, parce que les touches, c'est trop compliqué. Le QWERTY, trop chiant pour pouvoir changer tes touches. Donc moi, j'aurais laissé une belle petite structure dans le monde de Chimerland, et que je me dis que peut-être un jour, quand on pourra rejouer normalement avec les touches ou quoi, bah, j'aurais déjà un beau petit truc déjà de fait. Hop, on coupe du bois. Parce que je vais faire maintenant le toit. Ah bah tiens, ça m'a fait... Attaque, défense, crit. Attaque 1. Parfait. Toi, lui, il a commencé à faire un truc, mais c'est pas top, quoi. Logging. Ah, il y a un commerçant là-bas. Je coupais tout le bois qu'il y a autour et après je rentre. Et après, promis, on continue le tuto du jeu. Et je vous avoue que moi, dès qu'il y a de la housing dans, et de la construction dans un jeu... No way! On peut grimper! Un chat qui grimpe à l'arbre. Trop bien. Enfin, je crois que je vois ce que j'ai... Je crois que j'avais des masteries que je pouvais mettre... je sais plus c'était où. Comment... Ah, c'était où que j'avais vu que j'avais des... Je peux mettre des talents dans tout ce qui était construction ou récolte. Non, on va couper ce bois-là, le bois sur le chemin du retour et on sera bon. Descends s'il te plaît. Quoi, ça me dit que ça utilise de l'énergie, mais je vois pas ma barre d'énergie. Ah si, en bas à gauche. Ça doit être ça. Ah, tout en bas à gauche, ou à côté de tout ce qui est FPS, entrée, B, truc. Entrée. Ok, ouais, c'est le chat, ouais. Très bien. Je peux pas courir longtemps.
Par contre, j'ai lui fait un gros popotin, mais il est invisible, mon popotin. C'est vrai, je pourrais utiliser la monture. Il est vrai. Ce qui manque, Kikin, c'est ça en fait. Je peux pas positionner de mur, je vais réessayer. Peut-être de l'extérieur, ça va peut-être pouvoir fonctionner. Sinon, les murs avec des trous là. Faire respirer les animaux. Oh. C'est le problème, j'aurais dû réfléchir, je pensais que je l'avais mis dans le bon truc, mais bon. Sinon, hein. On va se faire ça. Je peux mettre une fondation. Ça, c'est marrant. Si je peux mettre une fondation, peut-être que je peux mettre... petit mur, plus grand mur. Et faire un espèce de... le truc qui se voit pas trop. Toi, je veux dire, je mets... Attends, petit mur, non, pas celui-là. Petit mur en bois. Là. Et là, après, je mets un grand mur... Et du coup, je vais mettre une fenêtre. Quitte à même mettre un truc différent, je vais mettre les deux fenêtres petites là. Voilà. Comme ça. Et ça crée un peu de relief, c'est pas non plus si dégueu que ça. Allez, maintenant le toit. Un pavillon, le toit. Bon, en bois. Hein. C'est du toit mastoc. Hein. Nickel. Hop. Non, on va prendre des plaques. Bon, en tout cas, on va dire que c'est à peu près intuitif. Et pour en haut, j'ai de quoi positionner un toit plat. Ouf, 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 ouf. Peut-être que j'ai utilisé peut-être des petites fondations. Là, elle est plus petite. Non. Ah, voilà. Laminate, voilà, c'est ça que je cherchais. Non, c'est pas le bon bois. Celui-là. Et comme ça, R. Parfait. Parfait. Jean, vous en pensez quoi, cette petite maison? Là, on peut pas dire que j'ai fait... Avec les petites fenêtres. Tu vois. Je vais aérer les petites fenêtres. Hop. J'ai aussi là pour faire aérer du coup le camp. Hop là, une belle petite vue. Non, s'il te plaît, je voudrais juste ouvrir la fenêtre, s'il te plaît. Non, je peux pas. La question c'est, est-ce que si je fais C... On peut passer à la fenêtre, ok. C'était ma question. On va les fermer. Parfait. Parfait, parfait. Bon, suite du tuto. H. Ah, j'ai des tutos dans tous les trucs. Searching, exploration. Ok. Ah. Un séminaire, ok.
learn about dressing a table. Dressing a table, F, parfait. Building, dressing table. Et il lui a fait récolter plein de bois. Allez, dressing table. Nickel. Donc je présume qu'il va nous demander après de la placer. Parfait. Attends, on va voir à quoi elle ressemble déjà. Donc B, c'est ça, place. Ouf. Ouais, c'est vraiment la table pour se maquiller, quoi. R. C'est quoi? On va le positionner dans le coin, là. Le plus... Non, s'il te plaît. Oh, tu m'as voulu faire rotationner. Ah. Ok, donc là je pense que je dois être à la limite du... du bâtiment. Ok. Je dépasse. Voilà. Juste par là. Voilà. Ok, le dress-up est là. Nickel. Suivant. View dressing table. Ok. Sit. F. Ah, on peut changer l'apparence. Skin. Là, c'est mon pelage, je crois. Ok, donc ok, on peut se remodifier, nickel. Home break 3, ok. S'il te plaît, c'est quoi? C'est exit F. Très bien, donc c'était bien ça. Donc home break 3, donc ce coup, home. Parfait, upgrade. J'avais assez de bois. Lester. Place floorboard. Oh, vous voulez vraiment que j'en place un deuxième? Bon, ce qu'on va faire, on va faire ça. Dismantle F2. Et on va le repositionner. hop. Tac, tac, tac. C'était là-dedans. C'était dans fondation, lambda. R. Voilà. Elle est contente. Bless and dry. Weapon upgrade. Surprise, nanana. Probability, très bien. F. Arcane. Refiner, très bien. Bon, ça va sûrement nous demander, ça va pour bien augmenter du coup. Tout ce qui est nos armes. Activate. Très bien. Place the weapon, hop. Ace. Ouh, ouh que c'est gros. C'est grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait limite... On va agrandir de ce côté-là, donc on va le mettre là. C'est marrant, ça. La porte est un peu plus à l'intérieur. Bon, après, franchement, ça va être fun. Voilà. C'est placé. Try to refine. Très bien. Try to refine, hein, let's go. Hein. F. Ok.
Ok. Ok, donc du coup, ça sert... Ok, j'ai encore appelé mon pète alors que je le voulais pas. Ok, ça sert du coup à... à mixer du coup les items pour pouvoir créer d'autres. Ok, Hunting for the Beast, très bien. Enlever. D'accord, ressources. On est d'accord que c'est ça. Beast aussi, Legend Hunt. Mine. Animal. Search. Bah, y a pas grand chose, hein. Ok, donc H. Là, c'est les quêtes sociales. Hein. Ok. Moi. Share image of share non. Take a photo of your home. V. Attends. Là, c'est plus sympa comme ça. V. Photo. Ça, c'est pas mal. Allez, on va faire save locally. Un petit souvenir. Souvenir, souvenir. H. J'ai pas d'amis donc très bien. Bah, je pense qu'on est plutôt pas mal. Genre, je vais voir parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres options de building ridge. Tu vois ça? R. Ça aurait pu être pas mal. Mais ce qui est chiant, c'est que ça veut pas le mettre là où je veux. Je veux dire, ça ne met que dans ce sens-là, mais moi ce que je veux, c'est pas le mettre dans ce sens-là. C'est le mettre dans ce sens-là, sinon. Voir, on peut se créer un petit peu plus de relief du coup. Pavillon roof. Et plus de roof. Je pense que j'ai dû apprendre plus de. Oh. Plus de petites fenêtres. Oh. Ah! Finally! C'est les fameux piliers que j'attendais. Parfait. Je pense qu'on va, faire un peu d'housing pour terminer, parce que je vais pas m'amuser à faire 58 km pour les chasser. Oh, il y a une grosse araignée là-bas. Ça. Est-ce que ça fonctionne aussi avec ça? Ah, super! Super, super. C'est pas ça que je voulais prendre, mais bon. Au pire, ça va faire l'affaire. Si je fais B, 0. Ah ouais, nickel chrome ça, Lace. C'est quoi, on va positionner en face de l'ouverture, comme ça on va faire comme si c'était en mode pour l'aération.
Ok, donc c'était dans un building pour enlever. Column. Ah oui, je dis oui là. Je dis oui, et si je fais comme ça, pavillon. F2. C'est pas ça que je voulais faire. Ça allait un peu trop vite. Hop, on va refaire une fondation en pierre. Et on va mettre encore des petites colonnes. C'est dommage que ça dépasse. Par contre, ce qu'on peut faire, peut-être faire ça. Et utiliser du coup un bridge. Ça là. C'était pas le bon que je voulais utiliser. Ça rajoute du relief, mais parce que je vois que j'ai un bonhomme dans ma maison. C'est dommage, parce que j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, je vais voir dans les technologies dans ça. Comment pour te parler? F. I'm sorry for my intrusion. I couldn't help it. I hope you will be generous. Yeah. Des quêtes. F. Un building. Et c'est pas vraiment. Par fondation, tout est lock dans tous les cas. Faut vraiment, je me débrouille avec ce que j'ai là. Ah non, mais sinon, je fais ça. Je sais. F2. Et je fais comme ça du coup. Et j'utilise ça. Pavillon. R. Ah non, du coup, ouais, le pavillon, c'est que ça se met directement en bas. Tant pis. Ça, c'était une bonne idée, ça, quand même. Hop, fondation, colonne. Non. Non. Je prends le même, mais en carré, en rond.
On va faire ça sinon. F2. F1. Ok. C'est vraiment pas encore ultra... Ouais. Ouais. Pas encore ultra... Mais sinon, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça? J'aurais bien essayé de mettre sinon un truc comme ça. Voilà. Et ça. F2. Ah. Bon savoir, il y a de la physique dans ce jeu. Très bien. Très bien, très bien. Ok, je vois. Au pire, c'est pas si dérangeant que ça. Hein. On met un là, un au-dessus. On met un derrière. Et puis voilà, on est pas mal comme ça. On est pas mal. B, oh, je pose du coup, on replace ma mailbox. Comme ça, on est pas mal comme ça. Petit meuble, j'ai l'escalier pour rentrer. Parce qu'après, il y a quoi d'autre? La devise, c'est mes trucs. Ok. Pavillon, ok, c'est différents roofs. Différents escaliers, différentes accentuations. Ça, c'est les... ça, ok. Opener. Différentes fenêtres. Ouais, non, c'est trop bien comme c'est de base. Hein. Et les fondations, après on a vu, on avait du coup les fondations de base, on va dire le plancher, et différentes colonnes. Pas mal, rien à dire. La construction de base, mais base mais efficace. De base mais efficace. Après, on aura la possibilité, si on rejoue, d'agrandir, de faire de la culture, du culture. Quand on voit que les arbres ne repoussent pas. Donc, à voir. Parfait. Je rentre. Je ferme ma clé. Et de toute façon, il est 51. Ah, mince. Hop, close the door. F. Voilà. En tout cas, c'est un peu incrusté sur mon... Ok, très bien. I want to see outside world. Recrute. I have rootless beast, so I have to power. Il y a Ray, ça sûr. Ok, donc du coup, tu peux recruter aussi tes des bonhommes. Ok, très bien.
c'est parce que j'ai claim. First. Je perc. Ok, non, c'était pas là. Stratégie, non plus. C'était où, caractère? Ah, voilà, c'était dans life. Logging. When chopping a plant tree, increase the probability to obtain plant leaf. Ok. Refinement. The stat, ok. Ok, donc c'était donc là-dedans. Logging. Très bien. Donc c'était dans I, avant dans ton personnage, t'as tes life stats. Ok, il a moins de power, mais par contre, il a beaucoup plus de... Très bien. Perk. Oh, il y a trop de choses à lire. Home. Claim. Other. Log. Ok. Collapser structure hors décor. Ok, très bien. Très bien. Ok, donc du coup, si je fais tomber une structure... Ok. Ça, c'est le côté... Et World de critique. Ok, ça, c'est le côté World... Mince. Le côté, on va dire, c'est les eaux fées, quoi. Ok. Parfait. Ah, du coup, en fait, on a tous les types de races. Donc, du coup, humain, ancien Apple, ok, hop. Octofish, marine. Un Scali, ok. Ursa, Rhino, Bronze, Noble. Ils sont où les aliens? Eh bien les aliens à un moment donné, non. Ok, donc ça c'est tout ce qui est boutique. Et ça c'est le passe-aventure contre des euros. Par contre, c'est un jeu étranger, mais on a bien vu que c'était... c'était marqué en... en euros. Game all. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. Bon, j'espère que ça vous a bien plu. Pour ma part, c'était sympa. Malheureusement, le fait que les touches, c'est compliqué pour pouvoir les rebind. Et le fait que j'ai été obligé de bind sur mes flèches. Du coup, c'est beaucoup moins immersif. Je me suis pas trop amusé. Mais par contre, au niveau du building et tout, c'est plutôt pas mal. Les graphismes restent à voir, mais franchement, c'est un bon jeu. Je pense que à garder au coin de l'œil pour se voir quand est-ce qu'il y aura sûrement des serveurs un peu plus en Europe. Et après, s'amuser quoi dessus. Hein. Mais c'est un bon petit jeu. Hop, je sais même pas comment on fait pour sortir. non. Ah si, j'ai vu settings. Logout. Et puis voilà, non, franchement, bon jeu, rien à dire.
attester si vous voulez de votre côté, mais c'est un très bon sandbox, crafting, open world. Le fait de capturer des monstres, les faire bouffer par ton pet, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a tout ce que faut un MMO, juste quand il sera prêt pour que ce soit des claviers en AZERTY, let's go, on y va. Sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Demain, je pense qu'on va tester, on va faire un autre MMO. En fait, j'aimerais bien trouver un MMO sur quoi jouer. Donc, demain, on va tester un nouveau MMO. Je ne sais pas encore lequel. Donc, je vous tiens au courant. Demain, dans l'annonce sur Facebook. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour 16h.